Lundi 21 juin 2021, Marie-Sophie Lacaro a pris la pause à l'occasion d'une séance de yoga. La journaliste qui présente le journal télévisé de 13h. Une année très active pour Marie-Sophie Lacaro. En janvier dernier, la journaliste qui officiait sur France 2 avait la lourde tâche de prendre la relève de Jean-Pierre Pernaut dans le journal télévisé de 13h de TF1. Un nouveau cap dans sa carrière qui lui a demandé beaucoup d'ajustements. Marie-Sophie Lacaro a dû se décider à quitter sa demeure toulousaine. Accompagnée de son mari et ses deux enfants. Dès que nous le pouvons, nous y retournons. Aux vacances scolaires, parfois le week-end pour faire une pause, aller retrouver l'horizon qui me manque à Paris. Disait-elle à ce sujet au magazine Nous Deux. Quelques mois plus tard, la journaliste confiait que ce déménagement avait profondément bouleversé son quotidien et celui de ses proches. C'était une sacrée décision à prendre et qui a engagé toute la famille. On a accepté de changer de vie. Bien sûr, ce n'est pas exceptionnel. Il y en a plein qui font ça, je ne cherche pas du tout à m'apitoyer sur mon sort, mais il a fallu faire un choix. On a renoncé à pas mal de choses, on a renoncé à une certaine qualité de vie qui comptait pour nous. A-t-elle détaillé dans un nouveau podcast de télé loisirs, Femme de télé. Si cette qualité de vie manque tant à Marie-Sophie Lacaro, c'est certainement parce qu'elle lui permettait de décompresser. Pour une femme d'actualité, rien de tel que de profiter de la douceur d'une vie dans le sud de la France. Désormais, c'est à Paris que Marie-Sophie Lacaro doit composer entre sa vie de femme, de mère de deux enfants et de journaliste regardée par des millions de téléspectateurs chaque jour. Alors pour se défaire du stress qui la noue, elle pratique le yoga. Lundi 21 juin 2021. À l'occasion de la Journée internationale du yoga, Marie-Sophie Lacaro a pris la pause en pleine séance. La taille svelte et le corps souple, elle a impressionné ses abonnés sur son compte Instagram. Les émojis ébahis et les cœurs se sont succédés dans la barre des commentaires pour lui témoigner leur surprise de la découvrir si souple et sportive. Des bravos, et autres magnifiques sont venus parfaire ce flot de compliments qui a dû booster le moral de la journaliste.